Bad bitch, no underwear. 2020, gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you... J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille, pépère, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo où on va discuter. Je crois pas que j'ai déjà vu ça sur ma chaîne. En tout cas, j'ai pas le souvenir. On va discuter, en fait, de la jalousie entre filles. Je sais que c'est un sujet qui est très vague. Donc déjà, je m'excuse d'avance si dans la vidéo, je m'éparpille, si je dis vague. Parce que c'est un sujet sur lequel il y a vraiment énormément de choses à dire. Donc voilà, si vous voyez que je vais de gauche à droite, il ne faut pas vous étonner parce que je sens que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire cette vidéo? Donc, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de parler avec une fille qui dénonçait en fait ces formes de jalousie entre filles. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas faire une vidéo? Je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut prendre le temps de discuter. La plupart des faits que je vais énoncer dans cette vidéo se passent dans la communauté congolaise, voilà, dans la communauté dont je fais partie. Après, je ne sais pas si ça se passe aussi dans d'autres communautés, hein, c'est vraiment, vraiment possible, clairement. En tout cas, ça, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, si ça se passe aussi dans votre communauté ou autre. Mais en tout cas, chez les Congolais, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fréquent. Je ne suis pas en train de cracher sur ma communauté. Je ne suis pas en train de cracher sur les Congolais. Non, rien à voir, loin de là. Parce que bon, il y a souvent certaines personnes qui comprennent les choses comme ils ont envie de les comprendre. Donc, je préfère vraiment être appuyée dessus, quoi. Voilà, je suis même Congolaise. Donc, en soi, il est hors de question que je crache sur ma communauté. Voilà, ça c'est dit. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne quand tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, à commenter, à liker si la vidéo te plaît et à partager. Voilà, si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Je crois que j'ai trop parlé, donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Donc, c'est pas une vidéo que j'ai écrite. C'est pas une vidéo que j'ai pensé genre de ouf. J'ai pensé parce que voilà, je sais que j'ai des choses à dire et tout sur certains des cas que je vais citer. Mais je sais pas du tout comment je vais la monter, comment je vais m'y prendre et tout pour en parler. Alors, je vais parler déjà d'une première forme de jalousie. Alors, j'aimerais parler de toutes ces filles qui disent à d'autres filles que oui, toi, on t'a fiancée parce que t'es enceinte. Genre en gros, si t'étais pas enceinte, le mec il allait jamais te fiancer. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui se dit énormément chez les Congolais, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Ça, c'est la phrase. C'est quelque chose qui se dit énormément. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi, c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans votre communauté. Donc, moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. On m'a fiancée. Donc, c'est-à-dire que mon fiancé est venu se présenter à ma famille quand j'étais enceinte. Donc, quand je dis fiancé, je vais essayer de bien éclaircir les choses. Fiancé, ça veut dire la prédote. Chez nous, c'est la prédote. La prédote, c'est quand ton copain vient se présenter avec sa famille devant ta famille. D'accord? Et en venant se présenter, il rapporte des choses symboliques, c'est-à-dire de la boisson alcoolisée ou non alcoolisée, et aussi une enveloppe où à l'intérieur, il glisse de l'argent pour entre guillemets honorer sa copine. Pour lui, c'est en fait c'est une promesse de mariage. Voilà, c'est une promesse de mariage, c'est à dire que voilà, aujourd'hui je viens me présenter en tant que le copain de votre fille, en fait, pour que ton mec il soit connu. Mais non, on sait que un tel est le copain, un tel est le fiancé de notre fille. Donc voilà, cette démarche elle est faite pour ça, en tout cas pour moi. D'après ce que moi j'en ai compris, c'est ça. Après, si j'ai oublié certaines choses, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un dire que j'ai jamais compris. Voilà, c'est une parole que j'ai jamais compris. Toi, on te fiance parce que t'es enceinte. En gros, si t'étais pas enceinte, le mec il serait jamais venu se présenter auprès de ta famille. Alors,
J'ai une réponse vraiment très précise par rapport à ça. Un mec qui t'aime pas, un mec qui s'en fout de toi, un mec qui veut pas de toi, un mec pour qui t'es rien en fait, t'es vraiment rien, genre il s'en fout de toi, vous êtes sortis ensemble, t'es tombée enceinte. Mais lui, il s'en fout de toi, mais royalement. J'insiste, hein, j'insiste. Hein. Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne t'aime, donc quelqu'un qui t'aime pas quoi, qui ne t'aime pas. Je vois pas pourquoi il va venir se présenter à ta famille. Tu vois, je vois pas pourquoi il va venir se présenter à ta famille, même tout seul, hein, sans sa famille. Je vois pas pourquoi il va venir se présenter à ta famille. Et encore moins avec sa famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que je sens déjà que là je suis déjà en train de m'égarer. Mais quelqu'un qui t'aime pas, qui s'en fout de toi, ne vient pas se présenter à ta famille tout seul. C'est-à-dire que toc toc toc, oui bonjour, c'est moi Edouard, je suis le copain de votre fille. Quelqu'un qui t'aime pas, il le fera pas. Donc s'il t'aime pas, il va encore moins déplacer sa famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va encore moins déplacer sa famille. Déjà, de deux. Ensuite, de trois. Ce que je vous ai dit avant, tu es censé ramener des symboles, c'est-à-dire ramener de la boisson, des présents. Voilà, des présents. Je trouve pas d'autres mots pour dire ça. Donc, il est censé ramener des présents. Donc, quand tu ramènes des présents, c'est-à-dire des boissons et tout, etc., tu payes avec ton argent. Donc, quelqu'un qui t'aime pas, pourquoi tu veux qu'il paye quoi que ce soit avec son argent? Soi-disant, c'est... Non, 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 non. C'est n'importe quoi. Voilà. Quelqu'un qui t'aime pas, il ne paye rien. Rien. J'insiste, hein, sur le fait que quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, j'ai été coupée. Je disais donc que quelqu'un qui ne t'aime pas ne va pas aller acheter des choses pour toi ou pour venir les présenter à ta famille. Voilà. Ça, je pense pas. Après, je suis pas un mec, ça je suis vraiment en train de le dire selon moi. Si jamais il y a des garçons qui regardent cette vidéo, essayez de m'éclairer à propos de ça. Mais en tout cas, enfin je sais pas, essayez de me mettre à la place d'un mec. La meuf, je l'aime pas, elle me dit rien, j'en veux pas. Je vois pas pourquoi je veux faire cette démarche en fait, toutes ces démarches. Genre, il est vraiment pas question. Suite. Quatrième chose, comme je vous ai expliqué précédemment, le mec quand il vient avec sa famille, il vient, il donne les présents, il donne aussi une enveloppe à ta famille dans laquelle il glisse de l'argent. Pareil, si un mec qui t'aime pas, genre à quelle heure il va venir donner de l'argent à ta famille pour toi? Tu vois? À quelle heure il va sortir son argent? L'argent avec lequel, genre, qu'il a travaillé, à la sueur de son front, il vient. Non, il le fera pas. Il ne le fera pas, quelqu'un qui t'aime pas, il vient pas donner de l'argent pour toi. Il mettra même pas 10 euros. Genre, même pas un billet de 10 euros déchiré. Non. Genre, non. Donc, pour moi, faut arrêter de dire que oui, parce que tu étais enceinte, il est venu ta fiancée. Non, arrête. Arrête. La vérité, hein, toutes les meufs qui disent ça, déjà, c'est des meufs qui sont ni fiancées, soit t'es pas fiancée. Soit t'es enceinte et le mec il t'attège. Ou, troisième hypothèse, soit t'es enceinte, t'es avec le mec, mais il n'a jamais fait aucun symbole auprès de ta famille pour toi. Voilà. Ça, c'est les trois catégories de personnes qui disent ça. Parce qu'une personne qui est mariée ne dira pas ça. Une personne qui s'en fout, en fait, qui calcule pas, franchement, ma copine elle est enceinte, et puis le mec il est venu, il a fait la présentation, enfin tant mieux, je suis hyper contente pour elle. Ce genre de personnes aussi ne diront pas ça. Donc déjà, toi, quand tu dis ça, t'es jalouse. D'accord? T'es jalouse. T'es jalouse et t'es aigrie. Donc là, c'est de la jalousie. Donc voilà, t'es un mélange de jaloux et d'aigri. Donc t'es jagri. Donc il faut arrêter. Voilà. Ça, c'est vraiment une forme de jalousie qui est super, super, super fréquente. Voilà. Donc, je pense que pour ça, j'ai à peu près tout dit. Donc, arrêtez d'être jalouse. Arrêtez d'être jalouse des couples des gens. Arrêtez d'être jalouse des situations des gens. C'est pas bien. Tu vois ce que je jure ou pas? Donc, voilà. Ensuite, je vais passer à un deuxième type de jalousie qui, pour moi, est de la jalousie. Peut-être que ça va se rapprocher de ce que je viens de dire. Alors, des fois, je me balade sur les réseaux sociaux.
Et il y a des postes qui reviennent souvent. Il y a des postes qui reviennent vraiment souvent. Alors, que disent ces postes? Oui, vous, les meufs qui sont en couple, vous faites trop genre, vous croyez qu'on est là à épier vos vies, on s'en fout de vos vies, on s'en fout de vos mecs qui vous trompent et tout, de gauche à droite et tout. Donc arrêtez de faire genre et tout, patati patata, voilà ce genre de postes. Je vais essayer de décortiquer la chose. Je vais essayer de décortiquer la chose sans divaguer. Par où je peux commencer? Ça dit aussi, vous aimez trop montrer votre vie, montrer votre bonheur, patati patata, alors que en fait vous souffrez et tout, nanana. Alors, c'est que je sais même pas par où commencer. J'ai envie de bien faire le truc, tu vois. Alors. Toi qui écris ce post, tu insistes sur le fait que tu t'en fous. Voilà. Que tu t'en fous du bonheur de ces filles-là qui sont en couple. Que tu t'en fous du fait qu'elles sont en couple. Patati patata. Ma chérie, tu t'en fous pas. Moi, je vais te dire, tu t'en fous pas. Parce que tu vois, quand on s'en fout de quelque chose, on ne le calcule pas. Quand on s'en fout de quelque chose, on ne prend pas son temps pour écrire un post, pour décortiquer, pour patati, pour patata. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On ne prend pas son temps. Donc tu t'en fous pas. Arrête de dire que tu t'en fous parce que tu t'en fous pas. Premier fait. Deuxième fait. En fait, que le mec d'autrui trompe sa meuf, il est où ton problème en fait? Toi, il est où ton problème? Je comprends pas. Il est où ton problème? Sache que peut-être hein, si dans ta vie on t'a jamais trompé, c'est pour ça qu'en fait tu te permets de dire des choses pareilles, tu connais pas ton lendemain. En fait, tu connais pas ton lendemain. Ça se trouve, demain tu vas être avec un mec qui va te tromper en pagaille. Donc tu te tais en fait. Tu te tais. Si toi tu es en couple avec un mec qui te trompe pas, c'est bien pour toi. Tant mieux pour toi. Tant mieux. Mais à partir du moment où t'en parles, c'est que tu t'en fous pas. Arrêtez de dire que oui, je m'en fous de. Non, 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 non. Tu t'en fous pas. Donc en fait, ça veut dire quoi? Les gens, ils sont heureux dans leur vie, ils peuvent plus montrer. Les gens, ils sont bien avec leur mec, ils peuvent plus montrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est heureux dans son couple, dans son foyer, dans son concubinage, parce qu'on dirait le concubinage des gens, en fait, ça vous dérange. Parce que les gens ne sont même pas mariés que vous êtes déjà dérangés. Tu vois ce que je veux dire? Donc le simple concubinage te dérange. Donc pour toi et tout, tu sous-estimes, ouais, vas-y, c'est rien, tu crois trop, on dirait, hey, concubinage, c'est quelque chose même, d'accord? Parce que même quand tu vas remplir un dossier à la mairie, ou tu vas remplir un dossier, je sais pas où, il y a célibataire. Il y a concubinage, en concubinage, ça veut dire que c'est un statut. Au sein de la société, c'est un statut, c'est quelque chose. Donc, arrête d'être jalouse. Arrête d'être jalouse, d'accord? Ça, c'est de la jalousie pure et simple. Tu t'en fous pas parce que tu prends ton téléphone et tu prends le temps de faire un post. Donc, arrête de dire que tu t'en fous. Tu t'en fous pas, ma chérie. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Donc, les personnes comme ça, respirer. Tu sais, dans la vie, il faut respirer. Genre, tu respires. Tu vois, vis ta vie. Sois tranquille. Donc, je sais pas, je trouve que être jalouse, être aigrie, c'est comme si tu t'enfermais dans une boîte. C'est comme si tu t'enfermais de quelque chose. Comme si tu étais en train de te presser dans quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, sois tranquille. Tu vois, libère-toi. Il n'y a rien. Tu sais, le célibat, le célibat, ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas parce que tu es célibataire on t'a jeté un sort. Non, 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 non. Le célibat, c'est bien, c'est tranquille. Vous savez, moi, je suis en couple. Il y a des fois, dans certaines situations de ma vie conjugale, où je me dis, purée, mais quand j'étais célibataire, j'étais bien. Tu vois, quand je n'étais pas en couple, j'étais chez ma mère, dans ma chambre, je vivais ma petite vie, j'étais bien. Pour que vous sachiez à quel point la vie de couple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc on se tait, on arrête de juger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc toi qui écris ce genre de poste, en fait, t'assumes parce que toi, tu aimerais bien être en couple. Tu aimerais bien avoir un mec à présenter dans les réseaux.
En fait, t'aimerais bien voir la vie que tu critiques, tout simplement. Soit ce que je veux dire ou pas. Mais vis ta vie de célibat, ça va venir. Sois tranquille. Et soyez tranquille. Arrêtez d'être gris avec d'autres choses parce que vous ne les avez pas. Non. Et soyez tranquille. Et tu sais, à force d'être jalouse, à force d'être aigrie, je vais vous mettre une image de la personne à qui vous allez ressembler. À la fin, tu vois. Au fur et à mesure, tu es jalouse. Au fur et à mesure, tu es aigrie. Tu vas ressembler à cette personne. Tu vois cette image-là, là. Est-ce que tu vois l'image, là? Regarde-la bien. Capture, zoom. C'est à ça que tu vas ressembler. Tu vois ce que je dis ou pas? Mais si tu ressembles à ça, il y a quel mec qui va te prendre? Quel mec qui va venir te doter, te fiancer, t'engrosser? Même le concubinage, il ne voudra même pas. En fait, tu vois. Même le concubinage, le mec, il ne voudra pas. Donc, on se calme. On se calme. Calmez-vous. Arrêtez d'avoir tant de haine et tout envers certaines situations de vie de d'autres personnes. Non. On est dans une période où je trouve hein, les couples ne durent pas. En tant que jeune, les couples ne durent pas. Donc en fait, laissez les gens vivre leur bonheur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une meuf qui a entre 20 et 30 ans, qui est en couple, qui a des enfants dans son couple, ça marche plus ou moins. Laissez-la exprimer son bonheur, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit à travers je ne sais quoi. Laissez-la exprimer son bonheur. On a le droit. On a le droit. Donc, vous laissez les gens tranquilles, en fait. Parce que là, la vérité, vous commencez à mettre les nerfs. Vous laissez les gens tranquilles. Vous laissez les gens être amoureux. Hein? Laissez les gens lover en paix. Laissez les gens adorer leur mec. Il est où le problème? Il est où le problème si quelqu'un monte son mec H24 sur Insta, sur Snap, sur Facebook? Il est où le problème, en fait? On a le droit, tu vois. On a le droit, j'aime mon mec, je suis fan de mon mec. Et après, il est où ton problème? Toi aussi, trouve-toi un mec. Trouve-toi un mec sur lequel tu seras fan, que tu vas montrer tous les jours, trouvez-vous quelqu'un. En fait, trouvez-vous quelqu'un. Je crois, en fait, trouvez-vous quelqu'un parce que vous êtes aigri, parce que vous n'avez personne. Donc, vous trouvez quelqu'un, d'accord? Vous arrêtez d'être jaloux. On arrête la jalousie. Et la jalousie, c'est pas bon. C'est pas bon pour ta beauté. Et la jalousie, ça donne des rides. La jalousie, ça rend moche. Si t'es jalouse, tu vas perdre des cheveux. Toi aussi, t'es... Et je sais pas, tu vas devenir... Comme l'image. Faites attention. Si vous voulez pas devenir comme cette image, vous libérez votre cœur. D'accord? Il n'y a pas à avoir un cœur glaçon. Vos cœurs, ils sont constipés, en fait, tu vois. Déconstipe ton cœur, tu libères ton cœur, d'accord? Tu arrêtes la jalousie envers ta copine, tu arrêtes la jalousie envers ta sœur, tu arrêtes la jalousie envers ta tante, ta nièce, je sais pas, t'arrêtes, d'accord? La jalousie, ça a jamais rien ramené. Et vous savez pas, hein? Peut-être Dieu, comme il sait là, il t'a prévu un petit quelque chose en 2020, c'est-à-dire qu'il a prévu que tu vas rencontrer quelqu'un en 2020, que tout va se passer, je sais pas, enfant, mariage, fiançailles, tout ce que tu veux, concubinage. Parce que moi, j'insiste sur le concubinage. Parce que le concubinage, c'est un statut. Arrêtez de dénigrer en mode, c'est bon, tu vis avec un mec, il ne s'est pas présenté, rien et tout. Non, c'est un statut, non, concubinage. Même si ça, il ne s'est pas présenté auprès de ma famille, mais quand on vit ensemble, on est dans le foyer ensemble, ma mère, mon père, mon grand-père, tout ce que tu veux, ils savent que je suis en concubinage avec un tel. Donc, on arrête déjà de dénigrer ça. Je vous rappelle qu'on va remplir un formulaire. Le concubinage, il est là. D'accord? C'est une case qu'on coche, le concubinage. D'accord? Donc, je reviens. Peut-être que Dieu, en 2020, il a préparé quelque chose pour toi. Un concubin, un fiancé, un mari. Peut-être qu'il a préparé quelque chose pour toi. Mais toi, tellement t'es aigrie, tellement t'es jalouse. Tu vois, Dieu il a dit non, toi t'es pas prête, d'accord. Donc Dieu a poussé ta bénédiction, la chose que tu envies en fait chez les gens, il a poussé en 2025. Tu vois pas, c'est toi que tu te mets dans la merde en vrai. Non, en vrai, tu vois pas, tu te mets dans la merde. Donc sois tranquille, hein? Sois âme, ça va venir. Ça c'est quelque chose qui se force pas. C'est quelque chose qui ne se force absolument pas. Ça va venir tout doucement. Pour l'instant, toi, vis ta vie. Si tu vois que côté, peut-être, amour, ça marche pas. Tu vois côté professionnel, tu vois côté social, tu vois dans tous les côtés. Et ça va venir petit à petit. Si tu vois que dans un côté, ça marche pas, t'essaies de t'accomplir dans un autre côté. C'est pas difficile. Hein?
Mais en quoi ça sert d'envier la vie des gens, le couple, hein? Là, je parle même pas de la vie, je parle vraiment le couple. À quoi ça sert d'envoyer le couple des gens, l'enfant des gens? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, hein, sérieux? Qu'est-ce que ça t'apporte, hein? Donc, arrêtez ces posts. Ah oui, il y avait quelque chose que je voulais dire. Parce que souvent, là, quand je vois des posts comme ça, en mode, vous, on s'en fout de vos mecs qui vous trompent, on s'en fout de ta-ta-ta, on s'en fout de ta-ta-ta, on s'en fout de ta-ta-ta. Les gens, souvent, qui repostent ce genre de choses, c'est les meufs qui sont en couple, quand même. Parce que ça, attends, ça, c'est vraiment quelque chose, que, je sais pas. Je sais pas, c'est quelque chose, genre, ça me passe au-dessus de la perruque, genre, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Toi, qui repose ce genre de choses, et en fait, t'es dans la situation qu'on est en train de décrire dans le poste, excuse-moi, mais t'es vraiment bête. Toi, il faut qu'on révise ton QI. Hein, je crois ton QI, vraiment, il est... Eh, je sais pas, t'as pas de QI, carrément, t'en as pas, t'es bête. Parce que là, en fait, en quelque sorte, on est en train de dénigrer ta situation. Mais toi, comme... l'école, t'es pas allé à l'école ou je sais pas, t'es bête. Donc toi, tu repostes. Mais attends. Faut m'expliquer. Vraiment, faut m'expliquer. Ces personnes-là, si vous regardez cette vidéo, expliquez-moi. Je suis pas en train de juger, je suis en train de donner mon point de vue par rapport à ces formes-là de jalousie. Ces deux formes-là que j'ai citées, je ne sais pas si j'en ai cité 2, 3, 4, je ne sais pas, parce que je me suis éparpillée. Mais en tout cas, je suis en train de citer ces formes de jalousie. Donc vous là, qui repostez ce genre de choses, en fait, c'est quoi votre but là? C'est quoi ton but là en vrai? Parce que en fait, quelque part là, on t'a gazé là en fait. Mais donc du coup, toi tu repostes pourquoi? Voilà, genre, je sais pas s'il y a des personnes qui... Faut m'expliquer. Donc, voilà. Je vais pas citer d'autres formes de jalousie parce que j'ai fait un post sur Instagram où je demandais aux filles de m'énumérer certains faits. On m'en a dit. Je pense que cette vidéo, ce sera la partie 1. Parce qu'en fait, des formes de jalousie, il y en a tellement beaucoup. Ce sera la partie 1. Je pense que je ferai une deuxième partie avec d'autres formes. Et pareil, je donnerai mon avis sur ça. Mais vraiment, si je peux me permettre de donner un conseil à ces personnes-là qui ont le cœur constipé, hein, qui ont le cœur... Donc, ton cœur, il est compressé. Donc le cœur de glaçon comme une pierre. Arrêtez. Faut prier. Vous savez, la prière, ça apaise, hein. La prière, ça apaise vraiment beaucoup. Si tu vois, t'es trop jalouse, si tu vois, t'es trop aigrie, tu demandes à Dieu d'écarter cet esprit de jalousie, cet esprit de aigriété, je sais pas si ça se dit, mais qu'il écarte ça, hein. Tu demandes à Dieu d'écarter, comme ça tu verras aussi que les choses vont s'ouvrir autour de toi. Parce que quand t'es trop aigrie, t'es trop jalouse, les choses ne peuvent pas s'ouvrir. T'es aigrie, t'es jalouse, t'arrives pas à trouver un mec. T'es aigrie, t'es jalouse, t'arrives pas à trouver un travail. Pourquoi? Parce que c'est trop, t'es emprisonné dans quelque chose. Donc libère ton cœur, et priez, cherchez la face de Dieu, en vrai, hein, voilà. Vous cherchez la face de Dieu et vous verrez que vous serez libéré, que les choses vont s'ouvrir. Vous allez trouver quelqu'un qui vous chérit, qui vous aime, qui vous adore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quand une personne, hein, quand une femme, quand une meuf, quand une fille, quand quelqu'un a trouvé cet homme-là, tu vois, qui la chérit, qui l'aime, qui la montre, qui l'honore aux yeux de tout le monde, laissez les gens montrer leur bonheur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas un article, hein, qui est écrit quelque part que oui, on peut pas, ou bien non. D'accord? Moi, j'ai envie de montrer mon mec sur Snap 24h sur 24, c'est-à-dire que même carrément le Snap, il devient lui. Et j'ai droit. En fait, j'ai droit. D'accord? J'ai droit, c'est ma vie. C'est mon Snap, je fais ce que je veux. D'accord? On fait ce que l'on veut. On fait ce que l'on veut. Et pour les personnes qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aigris, mais le plus souvent qui sont visés par ce genre de commentaires, toi qui es visé par le commentaire... ou le poste qui dit que oui, on t'a fiancé parce que t'es enceinte. Eh, hey, tu fais ce que tu veux. Tu t'en fous, t'écoutes pas. Toi, aujourd'hui, au moins, tu as un statut de fiancé. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Tu as un statut de fiancé, tu as un statut de maman, ou tu as peut-être bientôt un statut de maman si t'es enceinte. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Les gens là qui écrivent les commentaires, ils n'ont pas de statut. Donc, quand ils vont remplir des papiers, ils écrivent célibataires, tu vois quoi? Elles n'ont pas de statut, ils n'ont pas de statut. Hein? Elles n'ont pas de statut. N'écoute pas, vis ta vie, tranquillement. Ne te mets pas des stress de ouais, un tel ils ont dit. On fait ce qu'on veut. Tu sais, le monde, il n'a pas fini de parler. On n'était même pas sur la terre. Hein. Le monde, il parlait. On va partir, le monde va continuer à parler. Donc, si tu t'arrêtes à propos de ces choses-là, tu vas pas avancer. Donc, tu t'en fous. Vis ta vie, vis ton bonheur. Et montrez votre bonheur. Et les gens, ouais, les gens qui sont heureux, là. Là, petit message aux personnes qui sont heureux dans quoi que ce soit. Montrez votre bonheur. Déversez votre bonheur autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Montez. Balaxaka, bonheur. Ouais, bien, là, qui sa bonheur, Nayo. Tu es bien, montre ton bonheur. Et pour tous ceux qui sont aigris, hein, qui sont jaloux par rapport à ça, bozalaka bongo. Je vous le dis, bozalaka bongo. Restez comme ça dans votre constipation. Constipation, mon thème. Hein. La constipation du cœur, hein, c'est une maladie. C'est-à-dire que tu peux. Donc, le médecin, là, il peut rien faire. La seule personne qui peut faire quelque chose, hein, c'est Dieu. Donc, trouver la face de Dieu, il faut prier. Tu vois, tu peux pas prier et avoir les couilles mouroboyées chez quelqu'un. Non, avoir un cœur noir, un cœur constipé, un cœur en pierre auprès d'une personne. Non, non. Est-ce que je jure ou pas? Eh, vivez votre vie tranquillement, s'il vous plaît. Vivez votre vie paisiblement. Chaque chose en son temps. Le temps de Charlène n'est pas le temps de Eva. Le temps de Eva n'est pas le temps de Émilie. Le temps de Émilie n'est pas le temps de Clarisse. Chaque chose en son temps. Tu vois ce que je veux dire? Toi, peut-être, t'es là. Tu envies le couple, par exemple, d'une fille. Mais en fait, tu sais même pas déjà de un comment elle a fait pour choper ce couple. De deux, tu sais même pas qu'est-ce qu'elle vit dedans. Mais toi, t'es là, t'en vis. Mais non. Non. Dieu va te donner pour toi. Et toi aussi, à ton tour, tu pourras déverser ton bonheur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu pourras montrer ton bonheur aux yeux de tout le monde. Et après, quoi, les gens, là, ils vont dire, oh oui, toi, tu fais trop parce que. Tu vas dire quoi? Parce que toi-même, avant, tu étais comme ça. Donc non, hey, restez tranquille. Vivez votre plus belle vie. Kiffez votre vie. Célibataire, marié, fiancé, en concubinage. En concubinage, vivez. Donc voilà. Je suis sûre, je me suis égarée de ouf. Mais j'ai vraiment parlé avec le cœur. Je sais que j'ai oublié des choses. Je sais que j'ai oublié des choses parce qu'avant de faire cette vidéo, genre, je savais déjà ce que j'allais dire dans ma tête. Vous voyez les trucs comme ça quand tu sais déjà ce que tu vas dire et tout. Hein? Mais je sais que j'ai oublié certaines choses. Si j'ai oublié des choses, peut-être que je le dirai dans la partie 2 de cette vidéo. Mais est-il que vivez heureux, peu importe votre situation, vivez vraiment heureux. Et s'il y a quelque chose qui vous rend heureux, montrez-le. Montrez-le, on s'en fout des gens. Voilà, après, il faut toujours se préserver un minimum. Mais en fait, ne vous privez pas de montrer votre bonheur. Pourquoi? Parce que les gens, peut-être, ils vont parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme demain, tu achètes une nouvelle voiture et tout. Ou demain, tu as ton permis, tu vas que te snapper en train de conduire. Tu vas que te snapper, tu vois, en train de. Et peut-être, il y a certaines personnes qui diront c'est bon, mon frère, depuis elle a une voiture, depuis elle a le permis, elle fait trop carré. En fait, non. Je sais pas si j'ai raté mon permis 6 fois. 10 fois, 12 fois, 20 fois. Tu sais pas si je l'ai raté autant de fois. Donc si aujourd'hui je montre, c'est parce que je suis contente, c'est parce que je suis fière de moi. Donc en fait, il est où le problème? Il est où votre fucking problème? Tu vois? Donc, quand vous êtes heureux à propos de quelque chose, hein, vous le montrez, vous vous en foutez des gens. Vous vous privez pas. Au contraire, vous déversez. Peut-être que cette joie, cet amour, peut-être que ça va toucher les aigris et que, bah, bon, on l'a mis tes mains, tu vois. Bah, bon, on l'a mis tes mains, pardon, tu vois. Donc, peut-être que ça va les adoucir, hein, constipation, ils vont monter mes coquilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, ma première partie se termine ainsi. Je suis sûre j'ai oublié des trucs, ça m'énerve. Vous savez que depuis tout à l'heure, là, je parle, mais je suis grave en train de réfléchir s'il y a des faits que,
que j'ai oublié ou pas. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Moi-même, j'aime pas trop regarder des longues vidéos, que ça m'intéresse ou pas. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à liker, tu n'hésites pas à la partager autour de toi. Si tu vois que tu es dans cette situation, n'hésite pas à faire une petite capture, une petite vidéo capture ou capture d'écran, je sais pas comment ça s'appelle, de la partie qui t'intéresse pour poster, pour toucher les aigris. Tu vois, ça c'est un message pour les aigris, tu vois. C'est comme il y a des gens qui prêchent la bonne parole, et ben il y a des gens qui prêchent pour les aigris. Moi aujourd'hui, je suis venue prêcher pour les aigris, pour les jaloux. Apaiser votre cœur. Tu partages pour pouvoir toucher certaines personnes. Pas toucher en mode genre pour jeter des jetons et tout. Non. D'accord? Juste pour pouvoir toucher peut-être la sœur à travers ce message. Va se dire, ah oui, c'est vrai. Pardon. Va se dire, ah oui, c'est vrai que... Oula, putain. Ah oui, c'est vrai que... Il n'y a pas à être jalouse en fait. Puis si elle est là, c'est que moi aussi un jour et tout ça ira. Voilà. Donc, en tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous laisse. Dites-moi en commentaire les formes de jalousie que vous avez déjà eu à subir ou les formes de jalousie qu'il y a peut-être dans votre communauté ou dans la vie de tous les jours. Mais entre filles, en tout cas. Voilà, entre filles. C'est tout. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis bye bye pour la prochaine vidéo.